Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, en fait, je vais pas vraiment faire un tuto, mais je vais plutôt te montrer parce qu'en fait, c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de tutoriel pour expliquer en fait quand tu es dans une maison ou chez toi et que tu manques d'espace de rangement, mais que tu n'as pas envie d'investir dans des meubles parce que non seulement effectivement il y a le côté ça coûte de l'argent, mais surtout qu'en fait un meuble c'est un peu chiant parce que justement comme tu as investi de l'argent dedans, et ben tu peux pas t'en séparer si facilement, et puis souvent ça prend de la place, ils sont en un seul morceau, bah c'est compliqué à transporter, s'ils sont en plusieurs morceaux faut les démonter pour les transporter, tu vois, c'est la flemme. Alors que regarde, attention, ce meuble modulaire m'a coûté pas vraiment d'argent, mais si tu veux, je l'ai eu parce que je suis allé dans un supermarché où il y avait des cagettes. Donc voilà. Attention, c'est vraiment très ingénieux. En fait, voilà, tu poses des cagettes, mais à l'envers. Et les unes sur les autres. Donc l'astuce, c'est de les prendre de la même dimension. Mais je crois qu'il doit y avoir des standards. Bref, donc tu vois, tu poses une, deux, trois, mais il y a un truc qui est vraiment archi fantastique, je te montre, c'est les rangements intermédiaires, parce que c'est pas qu'une jolie table qui peut faire la taille que tu veux en fait. Tu vois, là moi j'ai posé un petit plateau, mes livres, machin, et puis j'en ai un autre. J'ai lui, mais il fait que seulement deux étages, voilà. Mais là du coup je venais de penser à cet espace de rangement intermédiaire, tu vois, je soulève ça sans tout faire tomber, bien sûr. Bon, alors bien sûr, c'est pas encore tout à fait au point. Peut-être qu'il faut que j'ouvre ça. Ouais. Ah, tu vois, c'est quand même un petit peu un tuto, hein. Et regarde, avec ces morceaux, eh bien, je vais pouvoir, comme tu le sais, fabriquer mes jardinières évolutives, mes jardinières qui s'agradent avec le temps. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel t'aura apporté des bonnes idées décoration de la maison. Sur ce, je te souhaite une bien belle après-midi. Et une belle soirée.